Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Heroes of Might and Magic 2. On se retrouve pour la suite de notre scénario où nous sommes bien installés tout en bas à gauche de la carte et prêts à en découdre de plus en plus avec le joueur bleu tout en étant quand même méfiant. Du coup je m'étais dit que pour commencer j'aurais pu lancer un petit sort, voir village. Ok, donc il y a encore pas mal de villages effectivement. Et probablement un château dans tout ça quelque part, je ne sais où. Alors apparemment tous ceux-là sont bleus, celui-là est encore neutre. Ok, donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Donc il va falloir faire attention. On va encore prendre un peu du temps pour nous. Ok, c'est une nouvelle semaine qui commence. Ça c'est cool. Donc c'est 20-20, ouais bon, allez, il va nous falloir un peu de pierre avant pour tout ça. Un peu compliqué. Je serais bien allé les améliorer quand même hein, avant d'aller plus loin. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous manque du bois, du bois, du bois et du bois. C'est beaucoup de bois. Il nous manque beaucoup de bois, effectivement. Donc on va aller recruter là, puis on va essayer de remonter un petit peu, voir ce qui se passe ici. Ouais, bah sans une fée, c'est cher, mais on va le faire. Ok, on va retourner là parce que du coup, pourquoi pas. Lui peut encore se déplacer. Bah déplace-toi mon coco. Ici, la chance des créatures en défense, on va pas le faire tout de suite. C'est très bien, mais... Oh, on va se faire des phénix, voilà, ça c'est bien ça, les phénix. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir par là? Histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Oui bah oui, je viens de les améliorer, forcément on peut plus. De toute façon par là il n'y a plus grand chose qui traîne hein, honnêtement. Lui, il faudrait que je l'envoie carrément au château pour faire la navette des troupes. Voilà, et là ça commence à être pas mal hein, quand même. On commence à avoir du joli monde. Donc on va plutôt y aller avec lui. On va repasser au château une bonne fois pour recruter et reprendre des troupes. Non, il y a forcément plus de place dans l'armée. Ah putain, on peut faire la guide des mages niveau 5, super ça. Ok, ouais, ça c'est pas mal ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Par contre, sagesse expert, donc c'est bon, il peut la prendre. Ça c'est stop. En attendant, avec elle, on va se balader un petit peu. Ok, bah des nains, nickel, on va aller les améliorer. Puis alors avec toi, honnêtement, je sais pas trop quoi faire. Au moment en tout cas. Ici on a quasiment plus de sous pour le moment, on va pas faire quoi que ce soit d'autre. Ah ça y est, il commence à rentrer chez nous. Phoenix. Je vais reprendre des licornes. On n'a pas beaucoup malheureusement, mais on va lui en piquer. Voilà, donne-nous toutes tes licornes. Tu n'en as pas besoin. Ça augmente le moral, ok. Un moral haut. On a de la chance. On a 12. Hein. On a très peu de défense par contre. Mais bon, tant pis. Pour ça de dégâts, ouais. On va rester comme ça pour le moment avec ce héros là. Ouais, on va rester comme ça. Voilà. Demeure des archers, ok, on va y aller voir ça après.
Donc pour ici c'est bon, pour là l'archerie renforcée, histoire qu'on ait quand même un peu de défense au cas où que on tombe dessus. Et avec lui après bon, on va remonter par là-haut. Hein. Let's go, ok lui ressort. C'est bizarre, j'ai pas vu d'autres héros. Ça me surprend. Guérison, voire héros. Je suis pas sûr qu'il les connaisse ces sorts là lui. Non, on va aller les prendre. Ok, 35 archers, on prend. On va aller affronter les momies. Ouais, on va se faire un peu d'expérience quand même. Ça vaut ce que ça vaut, mais... Ah, l'éclair foudroyant, punaise, il est là. Il est là. Ok, on pourrait avoir un village de plus ici. On va pas forcément le faire. Ah là là, l'éclair foudroyant, mais si, mais c'est trop important ça. Zut! Zut et zut et zut. War héros, guérison. On fasse gaffe quand même, hein, parce qu'on pourrait tomber sur... sur du lourd. Ok, on va pas aller plus loin avec eux, on va en profiter pour refaire une armée un peu plus conséquente. On va attendre que la fin de semaine passe. Voilà, ici on a toujours un peu de monde. Ah mais je suis bête, je les ai pas améliorés. Voilà. Ok. On va les poursuivre, gagner un peu d'expérience, même si on en manque clairement pas. Ici aussi, voilà, ça on prend. Déjà visité, ça on s'en fout, non visité. Alors on va aller voir le fort là-bas. Expérience, sagesse. Ok, toi tu attends encore là, ici... Ouais, on va quand même améliorer un peu au cas où. C'est le château le plus exposé, on va dire, donc faisons gaffe. Voilà, ici, on va pouvoir commencer à recruter un peu aussi. Faisons quelques tours là en attendant. Là, on n'a rien de plus. 1000 d'expérience. Ici, re-1000 d'expérience. Hop, on recrute. C'est vrai qu'il y a un bouton, là, max, en bas à gauche. Il faut pas que j'oublie qu'il existe. On m'a dit ça l'autre fois. Zens m'a dit ça l'autre fois, du coup, je ne le savais pas. Ok, nickel. Je ne vais pas tomber sur un héros ennemi quand même. C'est loin ou pas? Parce que franchement, le sort d'éclair foudroyant, moi je le veux quoi. Je le veux, mais genre carrément quoi. Il y a quand même énormément de bâtiments pour recruter des troupes hein, dans celui-là. Faut dire ce qui est. On va pouvoir prendre des elfes, des nains. Des elfes et des nains. Et on va pouvoir partir avec ce héros-là, remonter un petit peu aussi. Faire quelques petites choses. Ok, et toi tu remontes aussi. L'arène, il manque encore un peu de bois, on va faire l'autre tour. Recruter ça, ça, non, que ça, ok, d'accord.
Voilà, là ça va devenir sympa. On l'a. Tant qu'on est là, on va les prendre. On va aller renforcer notre héros, hein, y a pas de raison. Ah oui, quand même. Ah, ok. Ok, d'accord. Ouais, non, mais il est quand même costaud. Je m'attendais pas à ça. Ça va être chaud quand même. Hein. Oh là 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 là. Je pense qu'on fait pas le poids. Ok, d'accord. Bon. Et ben. Ouais. Je me voyais un peu trop beau, je pense. Faudrait qu'on puisse faire d'autres châteaux en fait, hein, pour. Pour grossir un peu plus. Voilà, mon autre héros va prendre tellement cher. On va voir pour analyser un peu sa troupaille. Voilà, ça. Ouch. Bisous. Ouais, bah là, c'est du one shot. Hein. Ah, tu vas faire bien ses archers. Oh là 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 là. Ok, ça va pas être si simple. Hein. Ok, on avait tué 6, hein, je crois, tout à l'heure quand même. C'était un peu mieux. Hein. On a un héros très sympa là, mais je pense qu'on n'est pas de taille contre lui. Hein. Non, non, clairement, là, on va pas être de taille. Hein. Ouais, même toi là, t'es pas de taille. Non, cherche pas, t'es pas ouf. Ouais, merde, j'ai plus de bois du coup. Ah, il y a quand même d'autres héros. Oh, il a quand même putain énormément de paysans quoi. Faut la galère. Ouais, les ruines. On va voir. On va voir ce que ça donne, mais c'est compliqué là. Je viens de démarrer un autre château aussi, parce que lui je pense qu'il a plein de châteaux, hein. Ça doit bien l'aider aussi, et nous on est peut-être un peu en retard sur ça. Et je vais plutôt prendre pas celui-là, mais celui-là. Bon, bah tout est à déployer, hein, par contre, ça c'est sûr, mais bon. Ouais, bah il va le prendre forcément. Ok, ils ont du héros là, hein, par contre. Hein. Je pense que ça va le faire revenir un petit peu quand même hein, dans le coin. Ouais, malheureusement là, je vais pas pouvoir faire mieux. Je
pense que c'est des ressources gaspillées parce qu'il va venir le reprendre très très vite. Il y a encore un héros là. Oh la vache, le nombre de paysans! Wouah, mais ça va être juste ingérable en fait. Ah ouais, donc en fait, pendant que je faisais mon petit truc, eux ils étaient en train de. de se gaver, mais totalement quoi. Parce que les paysans c'est faible, mais bon, 500 paysans ça fait quand même 500 dégâts quoi. C'est très bien, je continue de lui prendre des châteaux et tout, c'est génial, mais bon... Ouais, j'aurais mieux fait de regarder avant, parce que j'aurais pu recruter effectivement, enfin, apprendre d'autres sorts encore. Bah ouais, mais c'est chaud quoi. On a beaucoup de choses, hein, mais c'est chaud. On peut pas le dire le contraire, c'est chaud. Au moins d'avoir un héros par château. Ah bah celui-là, il va le reprendre forcément. Bon, je pense que lui, il est prenable. Ici, il faudrait que je recrute un héros, tout simplement. On renvoie. On appelle tout le monde là. Est-ce que j'avais recruté tout le monde? Non. Non. Voilà. Ça on renvoie, on s'en fout. Toi. Oh non, celui-là non, c'est vrai qu'il est même pas, il est même pas démarré celui-là encore. Hop. Oui, bah, je te le rends. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le panneau? La route du nord vers le château de Roland. Ouais. Bon, lui, je pense qu'on devrait le gérer quand même. Ouais. On a pris cher hein, quand même. Hein. Mais bon. Faut bien avancer, hein, comme on voulait faire. Hein. Il faudrait juste recruter à mort ici. Gagne pas assez de fric quoi, c'est bien le problème, il est là hein. Vu tout ce qui est à compenser J'imagine que c'est le héros le plus puissant qui est en train de remonter à son château là. Bah ouais, il va se marrer là-bas hein. Je veux dire ce qu'il y a hein. Ouais, c'est même pas la nouvelle semaine, donc compliqué, très compliqué. Oui, ben on sait qu'il va reprendre le château. Hein. On va essayer de résister au maximum, hein, mais bon. Un petit peu dépité là, je dois avouer. Que à part stagner chez soi pendant un bon moment en attendant de pouvoir se refaire une vraie armée, ça risque de faire long.
pas assez de rentrées de bois quoi, on rentre pas assez de bois et ça a l'air compliqué d'en trouver des endroits. Si, il y a là, mais de toute façon il l'aurait repris. Ouais, c'est hard hein, quand même. Hein. Bon bah. Oh, on peut pas lui en faire perdre un peu plus que ça? Ouais, c'est chaud quand même. Franchement, là, je sais pas trop comment on va gérer ça. La galère pour en tuer ne serait-ce qu'un. Ridicule quoi. Bon bah voilà. On aura fait un peu mieux, mais pas beaucoup. Ouais, et puis il va venir reprendre tous ces trucs, hein, et. Logique, hein. Ouais, compliqué hein. Honnêtement, je sais pas trop comment faire. Là, je. J'étais bien dans ma tête et là, je suis un petit peu perturbé, je dois l'avouer. Je sais pas trop comment gérer ça. Bon, on va peut-être pouvoir se débrouiller, hein, mais ça va être long, hein. Ça va être un petit peu long à faire. La difficulté monte d'un cran très sérieusement. Du coup, pas simple du tout de savoir comment gérer ce cas-là. Plusieurs héros peuvent encore se déplacer, oui. C'est quand même les autres là, qui ont 500 paysans et tout, je vois pas comment gérer ça en fait, quoi. Aussi, on peut avoir 100 paysans, hein, c'est pas un problème, mais même plus, mais. Ouais, et puis je soupçonne qu'il y a encore un château en haut à gauche, effectivement, que je n'ai pas découvert. Bon, lui, il est facile. Lui. Un peu moins là, surtout depuis que j'ai plus les. Avec les ogres, je pense que ça pourrait presque le faire, mais sans les dragons, c'est chaud quand même. Bah là, il a recruté, hein, forcément. Plus niveau thune, je pense qu'il est bien. Ah ouais, mais. C'est juste ingérable quoi. Il ressort des troupes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je sais pas, on va se rapprocher d'eux, on va voir, mais. Je sens pas trop tout ça. Hein?
a déjà plus de thunes, quoi. Bon, lui déjà. On va tenter d'en faire quelque chose de mieux que ça. Pas une petite célérité qui traîne là, non? Que dalle. Forcément, il fuit. T'as entre 20 et 49 cavaliers quand même. Ouais, non mais c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon. Bah c'est tendu. C'est tendu, tendu. Ouais, hein, pas simple le jeu. Hein. Ouais, remarqué. Là, tu passes à côté sans m'attaquer. C'est comme ça que je trouve étrange, quoi. Du coup, si on récupère ça, ça et ça. L'ennemi a pris la fuite. On va tenter le combat. Oh bah oui, tiens, c'est facile d'aveugler. C'est facile. Hein. J'ai vraiment pas de contre-sort en fait. Hein. C'est emmerdant ça. J'hésite à faire un éclair foudroyant parce que nos éclairs foudroyants sont extrêmement puissants. Mal, hein. On va rester, on va attendre. Non, on va attendre, on va attendre. On va les laisser venir. Si vous pouvez les aveugler. Yes, réussi. Bon, elle est faite, bien sûr, elle va nous casser les couilles. C'est elle que j'aurais dû faire. J'ai mal géré. Non. Voilà. Merde. Allez, dommage. Voilà. Bon, ça se pète quand même les paysans, hein. Faut pas trop être inquiet. J'ai fait un tour. Il y a lui qui joue, après il y a... Je fais un tour malheureusement. Ouais, là ça va fuir. Okay. Bon, ça fait quand même un de moins. Ça valait ce que ça valait, mais c'est toujours un de moins. De ses troupes. Je vais laisser repartir là-bas.
Elle, il va falloir qu'elle me remonte des troupes par contre. C'est grave. Let's go. On peut compter sur une grosse magie hein, quand même, et ça c'est cool. Si on arrive à lui supprimer pas mal de héros déjà, franchement ce sera un gros plus. Alors bon, lui est toujours inquiétant, hein, on va pas se dire le contraire. Mais grâce à nos ogres, peut-être moyen de faire quelque chose. Hein. Il manque tellement le sort de téléportation, quoi, ça aurait été tellement bien. Un puits par là, non? Oh, mais lui il peut pas être très gros quand même. Ouais, c'est ça. Il commence à épuiser les réserves. Bon, là, il a toujours du monde, ok. Qu'est-ce qu'il leur manque comme déplacement quand même? C'est con, mais c'est comme ça. On va continuer d'économiser pour le moment, on verra bien où on recrutera, où il y aura besoin au dernier moment. Ne précipitons pas. Ok, bon. Et ça, ouais, tu peux garder tes nains. Je te renvoie d'où tu viens. Lui par contre, toi pareil, tu peux retirer d'où tu viens. Ah, ça aurait été... Ouais, si j'avais pu le prendre ce château-là avant qu'il recrute, ça aurait été top, mais je pense qu'il va avoir largement le temps de recruter dedans. Cathédrale, il n'y a pas assez, ça manque de bois toujours. On va quand même faire les fermes. Ce que ça vaut, mais c'est pas grave. Dommage, un déplacement près, bordel. Sinon, lui, je vais me le faire. Lui, il y a moyen de se le faire quand même, je pense. Non, non, toi tu viens là. Ok. Toi. Tac. On évolue. Voilà, comme ça commence à être pas mal ici quand même aussi. On commence à faire une armée sympa. Ah, ici, ça aurait été bien quand même de faire 2-3 trucs, hein. On est d'accord, hein. Allez, on va commencer à recruter ici aussi. À faire des choses plutôt. À se concentrer sur moins de châteaux, mais essayer de bien les développer. Bon, là, ils vont avoir recruté. Non, ok. Bon, bah, on le prend. Va faire une guilde. Ça nous fait des sorts en plus. Voilà, des bénédictions, des trucs, ça peut servir. C'est bon. Ok, lui c'est le château principal. On sait pas ce qu'il a, mais à mon avis. Ah, c'est pour ça qu'il a plein de paysans. Il y a des granges de partout, quoi. Parce que je sais plus l'objectif si c'est de tuer tout le monde. À mon avis, c'est tuer tout le monde. Hein. Prendre ça. Mais là, c'est pareil, c'est la grande inconnue des défenses. Hein, donc. Donc c'est compliqué. On va faire une archerie ici. On va le développer tout à petit à petit. À rappliquer en défense, je pense. Oh putain, mais il y en a encore un là. Oh la vache.
Elle amènerait où la porte? Tiens, je suis curieux. Peut-être là-bas. Faudrait que je la prenne pour voir en fait. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Nickel. Ah putain, j'hallucine. Ah bah on se met bien. On se met bien, on se met bien. Ok, ceci explique cela. C'est de lui couper les vivres. Hein. Par contre, ça coûte énormément de déplacement, mais bon. Ouais, d'accord. Monsieur a des petits privilèges, quoi. Alors, le covernage, il faut la caverne. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bah ouais, avec des mines, ça va aller mieux, hein. Ça c'est clair, hein, si on arrive à les garder. Hein. Alors là, je peux vous dire, ça va être une autre histoire. Hein. Pff, après les autres ressources, je m'en fous, je vais pas perdre trop de temps ici. Ça, ça va, c'est bon, ok. Ici. On va quand même les faire, hein, ces fortifications. On a déjà recruté tout le monde. Ici, le cottage. Les nains, voilà. De bois. Attends, faut, hein, faut faire ce qu'il faut. Hein. Attaquer là. Là, on n'a rien de plus à faire. Voilà, on le sait, on manque de bois. Sinon, on va pouvoir recruter tout le monde. Ici, on va faire un Chrome Lake. Voilà. Et lui vient jusqu'à moi, donc c'est qu'il, à mon avis, il a la possibilité de me faire mal. Hein. Ah. Ah putain, merde. Ok, alors là c'est embêtant. Beaucoup de thunes. Beaucoup de thunes. Mais non, reste là toi. Ah mais ça me fait 10 000 et je peux rien faire d'autre. Oh là là, mais il y a tellement... Oh là là! Et tout ce qu'il y a à recruter ici, putain! Ah, c'était là, mon salut, il est ici. Si je recrute tout ce qu'il y a là, mais il peut tellement plus rien me faire, quoi. Ouais, ouais, je pense qu'il s'en rend compte, ça, d'ailleurs. Mais...
Ah, si seulement, putain, si seulement, si seulement, si seulement, j'avais un tour de plus. Bon, bah, je pense qu'il va venir m'attaquer, hein. Il perd énormément, hein, quand même. Mais on perd plus que lui. On va bien sûr le refaire, hein. Immunisé contre les malédictions. Bon, ça, à la limite, si tu veux, je m'en tape. Un maximum de dégâts, ouais c'est très bien, mais je veux pas me jeter trop au combat, je veux les attendre le plus possible. On va quand même faire un éclair foudroyant là-bas. Voilà, ça va un peu les calmer. On va les attendre. Même si bon, c'est déjà plus ou moins ouvert. On va les attirer en bas là. Effectivement, vu comme ça. Ah, moins 4 hein, quand même hein, à distance. Hein. Pouvoir les aveugler, mais j'y crois pas trop avec la bénédiction. Je les attends impatiemment en attaque. Ah, Taras. Juste Taras, bien évidemment, qui fait ça. Voilà, déjà. Parce que pourquoi pas? Ah, tant pis, faut y aller. Hein. Oh, mais Phoenix! On n'a pas fait long feu. Ils vont disparaître aussitôt, par contre. Fais chier, fais chier. Ouais, et puis on a quasiment plus de mana en plus, donc ça va se compliquer. Compliqué, compliqué. Terminé. Adieu. Ils sont costauds, hein, mais. Non, il est trop fort pour moi. En plus, j'ai perdu tous mes artefacts. Eh bien, on reverra ça autrement parce que là, c'est juste pas possible pour moi. C'est ingérable. Je ne sais pas comment gérer ce scénario. Bon, c'est pas grave, je vais quand même sortir cette vidéo et puis pour vous montrer à quel point ce jeu peut être difficile et à quel point, ben là pour le coup, il l'a été. C'est dommage parce que j'aurais eu plus de sous en récupérant ce château-là. Il avait tellement pas recruté que j'aurais pu me faire une grosse armée et vraiment lui résister. Mais bon, là ça va être compliqué. Bon, bah merci quand même de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la suite, si suite il y a. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye, merci.